On a la chance exceptionnelle d'avoir un prêt du musée de l'armée pour cette exposition sur les armures des rois de France, sur les armures royales en tout cas. Et cette armure, c'est une armure exceptionnelle à plusieurs titres. Elle est pour un enfant, hein, on peut le constater en voyant sa petite taille. Elle est d'une facture exceptionnelle, elle est d'une qualité d'ouvrage exceptionnelle. Elle a été conservée dans les collections des rois de France. On ne connaît pas son identité exacte, c'est-à-dire on ne sait pas à qui elle était attribuée, mais c'est un personnage de la cour de France, peut-être un des enfants royaux, ou en tout cas un des membres de la famille. Ces armures sont fabriquées à l'identique hein, par rapport à celles des adultes, elles n'ont rien à envier à celles des vrais belligérants. Elles doivent fonctionner, d'ailleurs les enfants qui sont impliqués dans les joutes et les tournois à la cour se battent réellement entre eux. C'est un jeu également que les adultes aiment à faire, hein. Peut-être comme aujourd'hui les jeunes kickboxers commencent assez tôt avec le même matériel que les adultes, il n'y a pas de raison qu'ils en aient indifférent. On veut les protéger de la même manière, mais les armes sont réelles. Il y a plusieurs jeunes princes qui sont emmenés par leur père ou leurs oncles à la guerre hein, et qui sont exposés au risque des batailles, donc les armures sont faites de la même manière, elles pèsent simplement légèrement moins que celles des adultes, vu la proportion du corps. Les armures d'enfants ont quand même une fonction très importante, c'est celle de l'apparat du corps armé. Elles représentent le statut social de leur porteur. Elles montrent que l'enfant est également un guerrier ou un guerrier en devenir, qu'il ressemble à son père, à son oncle ou à quelqu'un de proche de la cour, et qu'il peut porter l'armure, porter un poids réel, même s'il ne va pas forcément rentrer dans un combat de guerre. Par contre, il doit participer à des jeux de sport, à des combats de tournois, et donc l'armure doit être efficace. Et donc elle remplit cette double fonction de protéger le corps, cet aspect technique, et aussi un aspect social, de montrer le statut social, l'élévation, même la chevalerie de l'enfant.